Attends. Ahlan. Oui, bonsoir. Bonsoir. Normalement, c'est 19h. Donc, quand on ne va pas pénaliser les ponctuels, tu pourras déjà commencer. Démarre tout doucement. OK. Oui, donc juste une petite minute pour souhaiter déjà la bienvenue pour les personnes qui nous assistent. Je rappelle que cet Emergency Update, c'est le sixième de nature. Cette fois-ci, ça va être la deuxième partie du premier topo qui a été fait par Alain sur comme c'était un topo un peu plus long prévu, donc nous avons vu juste de le séparer en deux temps. Donc, la première fois, nous avons vu le poumon normal et le pneumothorax. Et ce soir, si on peut nous contredire, donc on va faire des rappels déjà de la première partie. Et nous allons enchaîner sur les différents directs, à savoir alvéolaire, interstitiel alvéolaire et pleural. Vous Très pouvez bien. nous regarder ici même sur Zoom ou encore sur YouTube. Et ça va être d'habitude très interactif, avec des présentations et des questions. Donc, c'est à toi la parole, Ahlem. Voilà. Bonsoir tout le monde. De nouveau, merci d'être au rendez-vous. Je vérifie simplement avec vous que tout le monde est en mute au moment de se connecter pour avoir un son de bonne qualité. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que professeur Mohawi, j'entendais votre voix un peu entrecoupée. Vous m'entendez bien? Très bien, d'accord, très bien. OK. Alors écoutez, ce qu'on se propose de faire donc pour cette deuxième partie de la présentation de l'échographie pulmonaire dans le contexte de l'urgence de la réanimation, c'est de commencer par un petit rappel, si ça vous va, et puis à la demande de certaines personnes, faire un petit rappel. Ça laisse le temps à tout le monde d'arriver tranquillement, et puis ça nous remet dans le bain. Alors écoutez, je partage mon écran avec vous. Voici. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose donc de démarrer notre rappel avec cette frise que j'aime bien. Parce qu'elle résume, selon moi, vraiment à la fois la physiologie, la physiopathologie de ce que l'on voit à l'échographie, hein, concernant le poumon aussi bien normal que sain, et elle nous permet de suivre l'apparition des signes sonographiques au fur et à mesure des variations, on va dire, de la composition de notre poumon. Et pour chaque composition, qui finalement se résume par le ratio, on va dire la proportion air liquide dans notre organe, eh bien, on va avoir certains signes échographiques. D'accord? Alors, partant du poumon normal, où le ratio air fluide classiquement est à peu près de 98%, c'est-à-dire qu'on a 98% d'air et 2% de liquide. Nous sommes dans une sémiologie échographique qui repose essentiellement sur l'interprétation d'un artefact principal qui est la ligne 1. Et on peut avoir l'apparition de une ou deux lignes B dans un contexte non pathologique, mais pas tellement plus. Donc ce ratio-là donne l'aspect échographique standard d'un poumon normal que nous allons revoir par la suite et qui sert de base donc à notre présentation. Sur le versant gauche, où la quantité d'air
augmente jusqu'à 100%, on est dans la sémiologie du pneumothorax. D'accord? Et sur le versant droit, on est là plutôt sur une augmentation de densité de notre poumon, soit par la diminution de la quantité d'air qu'il contient, soit, c'est d'ailleurs souvent associé, par l'augmentation de la quantité de fluide. Alors, plus on va avoir de fluide, moins on va avoir d'air, plus on va se diriger vers une sémiologie d'abord de syndrome interstitiel, où on est encore dans l'interprétation d'artefacts, ce sont toujours des artefacts de réverbération, mais là on passe des lignes A aux lignes B, on va les définir de façon détaillée par la suite également. Vous voyez déjà l'aspect là sur le petit cliché représentatif. Donc là, la quantité d'air commence à diminuer un petit peu. À un stade plus avancé de déaération et ou d'augmentation de la quantité de liquide, on passe au syndrome alvéolaire. Et là, apparaissent des images qui sont de moins en moins des artefacts et de plus en plus des images anatomiques, des images véritables hein, sous notre sonde. Et à l'extrême, quand on n'a que du liquide, là, on est dans la sémiologie de l'épanchement liquidien, épanchement pleural. Autre diapositive qui est importante pour moi que je rappelle, c'est celle de la subdivision de chaque hémithorax en plusieurs cadrans. Alors, vous trouverez de tout, hein, ça va de 2 cadrans à 28 cadrans. Personnellement, la subdivision que je trouve le plus rentable tout en étant pas épuisante en termes de recueil de données, c'est celle qui consiste à diviser chaque hémithorax en 6 cadrans, donc limité par en avant la ligne axillaire antérieure, en arrière la ligne axillaire postérieure, et puis une ligne qui passe à peu près au niveau mamelonnaire pour délimiter un niveau supérieur, un niveau inférieur. Donc ça donne des tableaux qui peuvent être faits comme on veut, hein, de façon tout à fait artisanale, à la main, graffés au dossier du malade, informatisés, enfin comme vous voulez. Ça permet à la fois de garder un monitorage, un recueil de données dans le dossier de nos patients, de se transmettre des consignes iconographiques et de savoir de quoi on parle, où est-ce qu'on se situe, où est-ce qu'on a trouvé nos signes échographiques. Donc, ça permet aux collègues de les retrouver et de les monitorer. Et puis, ça permet de numéroter aussi nos images à l'écran même. Et c'est quand même c'est assez satisfaisant de pouvoir retourner, voir des images, les sortir, suivre l'évolution de notre malade. Alors, le poumon normal est caractérisé par ces fameuses lignes A. Lignes A qui, je le rappelle, ne sont pas une image anatomique, mais sont un artefact. C'est l'artefact qui est produit par la rencontre de milieux d'impédance acoustique très différentes que sont l'air et le liquide. Ces deux milieux se rencontrent donc à l'interface de la plèvre et au niveau de l'espace virtuel entre nos deux plèvres, où il peut y avoir un petit film liquidien, ou bien entre la plèvre et le tissu pulmonaire. Et cette rencontre produit donc une hyper-échogénicité qui est retrouvée à l'écran sous forme de cette ligne mobile, synchrone des mouvements respiratoires et hyper brillante, c'est la ligne A. Et la ligne A étant un artefact de réverbération, ce sont
les échos qui sont en fait miroités, qui font un trajet à l'infini entre le point de rencontre, l'interface de rencontre et notre sonde. Et c'est donc interprété par notre échographe comme autant d'allers-retours. Alors, il les place à chaque fois à égale distance. Et c'est pour ça qu'on a un effet de miroitement de cette ligne A. À égale distance à chaque fois. Vous voyez, toutes les lignes A sont séparées d'une distance égale, qui est la distance entre la ligne pleurale et notre sonde d'échographie. D'accord ? Donc, en fait, tout ce qui est derrière cette ligne pleurale est en fait un artefact. Hein, d'accord ? Ce ne sont pas des images anatomiques. Alors, petit rappel rapide, donc le poumon normal, lorsqu'on regarde sur un plan sagittal au niveau antérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Les structures anatomiques sont celles que l'on voit en avant, hein, des côtes, donc les côtes, bien sûr, les muscles intercostaux, les tissus mous, et environ, on va dire, même pas un centimètre, un demi-centimètre derrière les côtes, on va avoir notre première ligne pleurale. Enfin, notre ligne pleurale, pardon, notre première ligne A. Donc, en avant, ce sont des structures anatomiques. Derrière, ce sont des artefacts. Premier artefact, la ligne pleurale, et les lignes A derrière. Il peut y avoir quelques lignes B. Mais alors, quelques lignes B, c'est une ou deux. D'accord ? Une ou deux, d'autant que le sujet est âgé et d'autant que la personne est en déclive. Cette ligne pleurale, comme nous l'avons vu sur la première vidéo, est animée d'un mouvement. Nous avons donc deux signes dynamiques que sont le glissement pleural donc sur un plan horizontal, les deux feuillets de la plèvre, le feuillet viscéral et le feuillet pariétal, qui glissent l'un sur l'autre de façon rythmique, synchrone au mouvement respiratoire. Et un mouvement, cette fois, sur le plan antéro-postérieur, que nous appelons le pouls pulmonaire, qui est en fait la transmission des battements cardiaques à cette plèvre. D'accord ? Et pour que le battement cardiaque soit transmis, il faut que les deux feuillets de la plèvre soient bien accolés. Alors, ce pouls pulmonaire existe à tout moment. Simplement, lorsque le glissement pleural est bien visible, en quelque sorte, il prend toute la… il l'efface. Enfin, c'est pas qu'il l'efface, c'est qu'on ne voit que lui, en fait. On voit principalement le glissement pleural. Maintenant, si pour une raison pathologique, par exemple, une adhérence des deux feuillets de la plèvre, ce glissement est diminué ou aboli, à ce moment-là, il est possible de voir que cette plèvre, en même temps qu'elle glisse sur un plan horizontal, glisse aussi, bat aussi un peu d'avant en arrière. Donc, le fameux signe de la chauve-souris, qui est en fait la projection de l'ombre postérieure des côtes. En mode temps-mouvement, là nous avons vu le mode bidimensionnel, en mode temps-mouvement, ce glissement pleural, si on fait un tir TM à un point donné, on voit ce qui se passe au cours du temps au niveau d'une même ligne de tir, nous avons ce qu'on appelle le signe du bord de mer en mode TM, qui correspond à quoi en fait ? Il correspond à une différence nette d'aspect de part et d'autre de la ligne pleurale. Là, si on regarde la flèche, vous voyez, là, c'est la plèvre, OK ? C'est la ligne la plus brillante, la plus hyper-échogène. Au-dessus de la plèvre, donc entre la sonde d'échographie et la ligne pleurale, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a des structures qui sont immobiles. Ce sont les tissus mous. Comme elles sont immobiles, elles apparaissent comme une ligne horizontale qui défile au cours du temps. Tandis qu'en dessous de la ligne pleurale, dans un poumon qui respire normalement, les structures sont mobiles. Même si ce sont des artefacts, il y a de la mobilité. Donc, ça donne cet aspect un peu sablé, un peu granité. Alors, on parle de signe du bord de mer en imaginant que là, c'est la partie eau, ici, c'est la partie sable. Voilà, donc ça, c'est le TM, le tir TM qui est fait sur un poumon normal, le pouls pulmonaire. Voilà, si on synchronise un tracé ECG, on peut voir qu'il y a des petites… là, je vais passer rapidement sur l'aspect du poumon normal. Si on pose notre sonde en visant les parties postérieures, si on cible notre colonne vertébrale, simplement pour dire qu'il y a deux signes intéressants qui permettent d'affiner un petit peu notre diagnostic.
Donc, cette fois, on explore les régions, toujours d'un poumon normal, hein, mais on explore les régions postérolatérales. Donc, on pose une sonde convexe pour explorer profondément et on vise la colonne vertébrale. Voilà, comme c'est indiqué sur ce schéma-là. Alors, ce que l'on voit dans ce cas, c'est deux choses. D'une part, qu'avec les mouvements respiratoires, il y a ce qu'on appelle le signe du rideau. Le signe du rideau, il faut imaginer que c'est comme un rideau qu'on tire, hein, à chaque fois. Un rideau qu'on tire et qu'on ouvre, qu'on tire, qu'on ouvre. À l'inspiration, lorsque le diaphragme descend, le fait que les structures pulmonaires aériques viennent s'interposer ici, eh bien, nous projette toute la partie artefactée là d'avant en arrière de l'écran. Et lorsque on expire et que le diaphragme bah, remonte, eh bien c'est comme si on ramenait, on ouvrait le rideau. Et là, on voit bah, ce qu'il y a sous le diaphragme, le foie en l'occurrence. Le signe négatif, cette fois-ci, qui est vu au niveau d'un poumon normal, c'est l'absence de visualisation des corps vertébraux au-dessus du diaphragme, puisque le poumon, on considère qu'il est normalement aéré, donc il ne transmet pas les ultrasons. C'est un signe qui sera intéressant par la suite pour le diagnostic pathologique. Donc ça, c'était pour le poumon normal. Le pneumothorax, comment est-ce que le pneumothorax que nous avons développé la dernière fois se manifeste à l'échographie? Eh bien, il se manifeste par, là aussi, des lignes 1, d'accord, qui sont réverbérées en arrière de la première ligne pleurale qui est rencontrée. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de glissement de la ligne pleurale. Il n'y a pas de pouls pulmonaire. Ce pouls pulmonaire ne peut pas être transmis puisque les deux feuillets de la plèvre sont séparés par de l'air, par du gaz inerte. Et on ne voit pas non plus de ligne B puisque voir des lignes B signifie là aussi que les deux feuillets de la plèvre sont accolés. D'accord? Donc, c'est l'absence de ces trois signes et seul signe pathognomonique d'un pneumothorax. Donc, il certifie le pneumothorax si on le trouve. D'accord? C'est le fait de trouver le point poumon. C'est quoi le point poumon? C'est l'endroit où le poumon, c'est le lieu de transition entre le poumon qui est décollé et le poumon qui est accolé à la paroi. Et donc ça se présente en échographie bidimensionnelle comme ça. Vous voyez? Donc là, on a une côte, une autre côte, ici notre ligne pleurale. Eh bien, nous avons la moitié qui présente un mouvement normal, un glissement pleural normal, et puis même une deux lignes B là, qui partent, et une moitié qui, elle, est tout à fait immobile. Alors, plus ce point poumon est postérieur, plus on peut dire que le pneumothorax est étendu. Maintenant, dans le cas d'un pneumothorax de la grande cavité, bien sûr, on ne le trouvera pas ce point. En mode TM, eh bien, ça donne, voilà, ça donne ça. Donc ça, c'était pour le rappel. Les diagnostics différentiels, nous en avons vu quelques-uns. On peut avoir des faux négatifs. Si jamais, par exemple, le point poumon est... Et si notre patient, on peut imaginer, par exemple, qu'il est en position demi-assise, le pneumothorax va aller dans les zones les moins dépendantes. En position demi-assise, cette zone est derrière la clavicule. Si elle est mal visualisée, par exemple, en cas de polytrauma, de fracture de la clavicule, etc., on peut passer à côté. Le pneumothorax de la grande cavité, si on cherche le point poumon pour poser le diagnostic, on ne le trouvera pas non plus. Dans le cas de l'emphysème sous-cutané, par exemple, on peut prendre des lignes E pour des lignes B, alors qu'en réalité, il n'y a pas de mouvement de la ligne pleurale. Il peut y avoir aussi des faux positifs. D'accord? C'est-à-dire qu'on va poser le diagnostic d'un pneumothorax alors qu'il n'y a pas de pneumothorax, qu'en réalité, la ligne pleurale ne glisse pas pour d'autres raisons, une intubation sélective, des adhérences, une apnée. Ah oui, ce qui arrive aussi assez fréquemment quand on débute, on se fait souvent avoir en posant notre sonde sur une côte et en se disant bah, ça ne bouge pas. Mais en fait, oui, c'est normal que ça ne bouge pas. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment, quand on commence, se mettre à cheval sur deux côtes, voir la côte supérieure, la côte inférieure, et identifier la ligne pleurale entre les deux.
On peut aussi se poser au niveau de la zone d'apposition du diaphragme, la zone où le diaphragme se retourne pour s'apposer contre le gris costal, et croire que c'est la zone de transition point poumon. Enfin, voilà, ça c'est pour les diagnostics différentiels les plus fréquents. Alors, passons maintenant au syndrome interstitiel, qui est donc l'autre versant de la physiopathologie pulmonaire et de la sémiologie échographique. C'est l'apparition d'un signe, toujours un artefact, hein, mais qui va devenir de plus en plus présent et de plus en plus, enfin, quantitativement et qualitativement présent, et qui traduit l'augmentation de densité du poumon. Soit donc par augmentation de l'eau pulmonaire, enfin, quand on dit eau pulmonaire, c'est tout, c'est l'eau pulmonaire extravasculaire, et ou la perte d'aération du poumon. Alors ça se traduit par des lignes B, je vous les montre tout d'abord pour savoir de quoi on parle. Voici les lignes B. En fait, les lignes B sont, il faut imaginer que c'est comme des lignes A, mais qui sont empilées, empilées, empilées comme des assiettes de façon très, très rapprochée. Ça traduit la même chose. C'est une hyper-échogénicité qui vient d'une différence donc importante d'impédance acoustique, toujours entre l'air et le liquide, sauf que cette fois, le liquide n'est plus limité à l'espace virtuel qui sépare les deux plèvres, mais qu'il commence à y avoir du liquide aussi au niveau des septas interlobulaires, voire à un stade un peu plus avancé, même au niveau des alvéoles terminales. Donc, le poumon, bah, de plus en plus, devient une surface de réflexion acoustique hétérogène. D'accord ? Donc, des artefacts de réverbération commencent à apparaître de façon plus intense, et de plus en plus intense, hein, puisque c'est corrélé de façon linéaire à l'augmentation de densité. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme sonde pour explorer un syndrome interstitiel ? Le premier choix, c'est une sonde de basse fréquence, une sonde convexe. Ça peut être la sonde abdominale, ça peut être la sonde cardiaque. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des critères diagnostiques des lignes B, que de pouvoir dire qu'elles vont très en profondeur de l'écran. En fait, elles se réverbèrent à l'infini, donc elles vont aussi profondément qu'on peut les explorer. Et c'est à la différence d'un autre type d'artefact qui lui donne des lignes verticales courtes. Comment installer le patient ? Alors, en fait, ça va dépendre de la pathologie, suspectée. Sachant que tout syndrome interstitiel a tendance à être plus important en déclive, si on est dans un contexte de diagnostic différentiel aux urgences, on a un patient qui se présente en dyspnée aiguë et qu'on veut rapidement faire notre triage et savoir si on est devant une dyspnée d'origine cardiogénique ou d'origine respiratoire. À ce moment-là, le plus rentable, c'est de regarder les régions antérieures, antérolatérales, parce que si on a un syndrome interstitiel à ce niveau-là, d'autant qu'il est bilatéral, on va être plutôt orienté OAP cardiogénique, par exemple. Maintenant, si on est devant un patient de réanimation qui est intubé, qui est intubé, puis qui présente une dégradation de ses échanges respiratoires, on va peut-être avoir tendance à commencer par les bases, d'autant qu'on suspecte un syndrome alvéolaire associé. Donc, moi, je dirais, sonde convexe, on explore d'avant en arrière, on fait nos six cadrans de chaque côté, comme ça, on a un aperçu global.
Alors, le syndrome interstitiel donc est caractérisé par ces lignes B. Ces lignes B répondent à une définition qui est bien codifiée. Ce sont des artefacts de réverbération, d'accord, comme les lignes A. Maintenant, ils traduisent une présence encore plus importantes de liquide au niveau de notre poumon. Donc là où il y a des lignes B, les lignes A en arrière sont effacées. D'accord? Ce sont des lignes hyper-échogènes, verticales, qui se prolongent donc jusqu'en bas de l'écran. Elles naissent au niveau de la ligne pleurale. D'accord? Donc ça, voilà, c'est important pour le diagnostic différentiel. Comme nous le verrons par la suite, elles sont synchrones du glissement pleural. Elles sont dynamiques, c'est-à-dire qu'on les voit apparaître et disparaître en temps réel, vraiment en fonction du mouvement d'air et d'eau dans les alvéoles terminales et dans les septa interlobulaires. Leur intérêt, ces lignes B, c'est qu'elles sont très, très sensibles. Elles apparaissent très précocement dans la pathologie interstitielle, enfin, voilà, quand le tissu interstitiel commence à être infiltré, elles sont plus précoces que les signes radiologiques et on les retrouve bien avant l'altération des échanges gazeux. Alors après, en termes de nomenclature, bon, voilà, faut savoir que quand on dit qu'une région est positive, c'est qu'il y a au moins trois lignes B par espace intercostal. On parle maintenant de B pattern. On a même tendance à les semi-quantifier en parlant de pattern B1 lorsqu'on a plus de trois lignes. Classiquement 3, 5, 7, mais bien espacés qu'on peut compter. Là, on est en présence d'une paire d'aération modérée et on parle d'un pattern B2 quand on a vraiment un rideau de lignes B qui deviennent à l'extrême coalescentes. Et là, ça correspond à une paire d'aération sévère. Et d'ailleurs, cet aspect de ligne B coalescente est corrélée à l'aspect envers dépoli au scanner. Il y a une bonne corrélation entre ces deux techniques d'imagerie. On parle de syndrome interstitiel lorsqu'il y a deux régions positives au niveau du poumon. Alors, plusieurs façons de caractériser ce syndrome interstitiel, puisque, comme je vous l'ai dit, il est très sensible, mais peu spécifique. Donc, on va tâcher, pour en préciser la cause, de le qualifier à plusieurs. Alors, d'abord, est-ce que ces lignes sont dépendantes ou non de la gravité? En fait, est-ce qu'elles sont très dépendantes ou pas tellement? Il y a toujours quand même une certaine dépendance à la gravité, mais est-ce qu'elle est. À quel point est-ce qu'il est marqué? Anomalies associées, enfin, y a-t-il ou non des anomalies associées en même temps de la ligne pleurale et de l'espace sous-pleural? Et surtout, est-ce que ce syndrome interstitiel est diffus ou est-ce qu'il est plutôt fréquent? Nous allons voir ça plus en détail. Là, je vous montre des aspects différents aspects qu'on peut voir hein, de syndrome interstitiel. Alors bon, je vous ai dit que classiquement, pour affirmer qu'on a un syndrome, que ce sont des lignes B, on utilise la sonde convexe. Après, on peut être amené à changer de sonde et à passer à une sonde lorsqu'on veut notamment caractériser l'aspect de la plèvre. Est-ce que la plèvre est normale? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des petites condensations sous-pleurales, etc. Là, c'est pour affiner notre diagnostic. Là, vous voyez, on a vraiment des lignes B multiples. Là, on a un aspect pratiquement coalescent, donc un syndrome interstitiel important. Alors, la topographie. Donc, est-ce que notre syndrome interstitiel est diffus, c'est-à-dire qu'on a des lignes B multiples, qu'elles sont bilatérales. Là, c'est notre tableau, on va dire, classique d'œdème pulmonaire.
Et on verra par la suite comment est-ce que quels signes peuvent nous aider à faire la différence entre un œdème pulmonaire d'origine cardiogénique et un œdème pulmonaire lésionnel. Donc le cas du SDR, grande question de réanimation. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on peut avoir des syndromes interstitiels localisés. C'est-à-dire qu'on regarde un cadran, il y a un syndrome interstitiel tout à fait marqué, clair, net. Et puis le cadran du dessus ou d'en dessous, enfin les cadrans adjacents, eux, sont tout à fait normaux. Alors on peut voir ça effectivement dans les pneumonies, mais on peut le voir aussi dans les atélectasies, dans les contusions pulmonaires, etc. Donc il faut savoir que ça existe. Alors maintenant, pour détailler un petit peu plus le syndrome interstitiel diffus, parce que c'est une question qu'on se pose souvent aux urgences et en réanimation. Donc, comment faire la différence entre l'œdème pulmonaire d'origine cardiogénique, donc celui qui correspond, voilà, comme on le définit classiquement, à une augmentation de pression hydrostatique, et le SDRA, l'OAP lésionnel, où là, l'eau pulmonaire extravasculaire, elle ne sort pas parce qu'il y a une augmentation de la pression hydrostatique, mais parce qu'il y a une altération simplement de la perméabilité capillaire. Alors, classiquement, dans l'œdème, dans l'OAP cardiogénique, les lignes B sont distribuées de façon tout à fait homogène, tout à fait symétrique. Il y en a plus dans les régions dépendantes. Maintenant, si l'OAP est important, il va y en avoir dans les régions non dépendantes aussi. Mais la distribution est homogène et répond à un gradient de pression. C'est-à-dire que d'avant en arrière, il va y en avoir de plus en plus. Et il n'y a pas d'espace, ça n'est pas séparé par des zones saines. C'est-à-dire que quand il y a des lignes B, eh ben, il y a des lignes B de façon continue, avec un continuum d'avant en arrière, et il y en a de façon adjacente. À l'inverse, dans le SDR1, on peut trouver une distribution inhomogène des lignes B. C'est-à-dire qu'on peut avoir une zone où il y a un syndrome interstitiel clair et net, avec des lignes B et même des lignes B importantes. Et puis, entre deux régions où il y a un syndrome interstitiel, il peut y avoir une région de parenchyme normale avec des lignes A sans syndrome interstitiel. Pourquoi? Eh bien parce que le syndrome interstitiel qu'on voit au niveau des cadrans atteints dans le SDRA est là parce que à ce niveau-là, il y a une altération de la perméabilité capillaire et qu'il y a donc un exsudat qui fuite parce qu'il y a une lésion de la membrane alvéolo-capillaire. D'accord? Et donc cette lésion, elle peut être éparse et répartie de façon hétérogène. De plus, dans le SDRA, il y a souvent des anomalies associées, puisque c'est une pathologie, c'est une inflammation régionale. Il y a souvent aussi des anomalies de la ligne pleurale. La plèvre peut être épaissie, enfin, la ligne pleurale peut être épaissie, elle peut être irrégulière. Comme il s'agit d'un exsudat, cet exsudat souvent fait adhérer les deux feuillets de la plèvre et cette adhérence va réduire ou abolir le glissement pleural. On retrouve souvent aussi des consolidations, des petites consolidations sous-pleurales qui, elles, ne sont pas dépendantes. On peut les trouver dans les régions antérieures, par exemple. Voilà, deux aspects caractéristiques. Ici, c'est un aspect donc d'OAP cardiogénique, d'accord? Ici, c'est un aspect de syndrome interstitiel, pardon, lésionnel qu'on va voir dans le SDRA et qu'on a exploré. Attendez, excusez-moi, je vous remets la vidéo qu'on a exploré après l'avoir diagnostiqué à la sonde convexe, qu'on a exploré avec une sonde linéaire, ce qu'elle permet de voir plus en détail. Et vous voyez entre deux lignes B, eh bien, on a des lignes A. D'accord? De zones épargnées. Voilà, avec des anomalies de la ligne pleurale, une petite condensation, toute petite condensation sous-pleurale. D'accord?
Alors, les condensations, je le dis maintenant, puis je le rappellerai par la suite, lorsqu'elles sont collées à l'épine pleurale, sont accessibles à notre examen. D'accord? On voit à l'échographie tout ce qui vient se coller à la ligne pleurale. Et on ne voit pas ce qui n'arrive pas jusqu'à la ligne. Quelques diagnostics différentiels du syndrome interstitiel échographique. Alors, défaut négatif, bah, par exemple, lorsque on a une PEP très élevée ou une surdistension, en quelque sorte, ça, chez le malade intubé ventilé, bien sûr, ça compense en quelque sorte la perte d'aération et l'augmentation de la densité de notre poumon. Encore une fois, on peut se faire avoir par la malposition de notre sonde sur une côte, par une mauvaise angulation de la sonde, tout simplement. Je rappelle qu'il faut, il faut s'astreindre à se positionner dans un plan orthogonal par rapport à la plèvre. Alors, comme c'est une structure qui décrit une courbe, il faut bien bouger sa sonde à chaque fois pour obtenir la meilleure image. L'exploration incomplète du thorax, là aussi on peut passer à côté du syndrome interstitiel focal, d'où l'intérêt de systématiser son examen et de faire cadran par cadran, consigner les données et toujours consigner la pire image, hein, entre guillemets, parce que c'est celle-là dont on voudra monitorer l'amélioration. Défaut négatif. Pardon, des faux positifs à l'inverse. Ce qu'on appelait les lignes Z, ce sont des artefacts là aussi, mais ce sont des artefacts courts qui ne correspondent pas donc à de l'eau, à du fluide au niveau des septa interlobulaires ni alvéolaires, qu'on appelle les lignes Z. C'est pour ça qu'on examine d'abord avec une sonde convexe pour vérifier que ça va jusqu'en bas de l'écran. Si on trouve une ou deux lignes B chez le sujet âgé ou lorsque quelqu'un reste en position d'éclipse de façon prolongée, là on ne parle pas de syndrome interstitiel, d'accord. Les lignes E, ce sont des lignes, ce sont là aussi des artefacts de réverbération et qui peuvent être longs, hein, qui peuvent aller jusqu'en bas de l'écran, sauf que ça ne prend pas naissance au niveau de la ligne pleurale, mais au niveau d'un emphysème sous-cutané. Voilà, bon, on s'est tous fait un peu avoir chez le polytrome, faut le savoir. Alors, je marque une pause pour voir un peu s'il y a des questions avant de passer au syndrome alvéolaire. Donc, je pense que nous avons vu ensemble le syndrome interstitiel. S'il y a des questions, aussi bien ici sur Zoom que sur YouTube, je vais partir consulter tout de suite même. Les audios, tout va bien. Ah, tout va bien. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous avez parlé de zones dépendantes dans l'OAP. Alors, quelle est ta question, Moulay Mehdi? Très bien. Alors, Ahlem, Moulay Mehdi te pose la question suivante. Il veut des précisions, en fait, concernant les zones dépendantes dans l'OAP. Est-ce que tu peux... Alors, les zones dépendantes, c'est dépendant de la gravité. Hein. Plus on va... plus on explore les zones postérieures, plus il va y avoir d'eau pulmonaire extravasculaire. Et c'est une distribution qui est homogène, c'est-à-dire qu'il y en a d'autant plus qu'on va de l'avant vers l'arrière, et c'est un continuum, on va dire, linéaire. C'est pas j'en ai beaucoup ici, j'en ai pas là, puis j'en ai de nouveau ici. Ce qu'on peut voir dans le SDRA, ce qu'on peut voir dans les pneumopathies, dans l'OAP cardiogénique, ben, y a ce caractère dépendant de la gravité qui fait qu'on ne saute pas d'une zone très atteinte
à une zone peu atteinte, puis une zone saine, puis une zone très atteinte. On a une distribution qui est relativement homogène et avec même un peu plus de syndrome interstitiel dans les zones les plus déclives. Et plus l'OAP est important, plus la pression hydrostatique est élevée, plus les pressions dans les cavités cardiaques gauches sont élevées. Bien sûr, il y a une corrélation à la pression de l'OG. Plus on va avoir du syndrome interstitiel, même en avant. Même en avant. Donc, quand il y a quelqu'un qui arrive aux urgences, en fait, c'est là où c'est intéressant. Quand il y a quelqu'un qui vient aux urgences avec une dyspnée aiguë et qu'on pose notre sonde d'écho dans les cadrans antérieurs et que là, on trouve qu'il y a du syndrome interstitiel en antérieur bilatéral, là, on sait qu'on est devant un OAP cardiogénique important si cette distribution est symétrique et homogène. Et plus on va aller en arrière, plus il va y en avoir. Mais s'il y en a même en avant, c'est que la POG est d'autant plus élevée. Il y a une corrélation qui est quasi linéaire. Alors, Ahlem, la question d'héritier, est-ce que c'est possible d'expliquer en détail l'image de la condensation? Ah ben, c'est le syndrome alvéolaire, cher héritier. On y vient, on y vient. On y vient, d'accord. Alors, je pense qu'on va pouvoir se poser une dernière question avant d'avancer au prochain chapitre. Alors, toujours Moulay Mehdi te pose la question suivante. Est-ce plus l'image est importante et périphérique, plus l'OAP est grave? Est-ce qu'il y a une bonne corrélation? Plus l'image Est est... importante et périphérique, plus l'OAP est grave. Est-ce qu'on... Alors, oui, et d'ailleurs, ce que je vois à l'écho n'est que périphérique. Ça, il faut le comprendre. Je ne vois à l'échographie que ce qui est périphérique. Que ce qui est périphérique. D'accord? C'est-à-dire que ce que je vois à l'échographie, ça, il faut bien, 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 bien le comprendre. Ce que je vois à l'échographie, c'est ce qui vient toucher ma plèvre. Donc, je vois des structures anatomiques jusqu'à la ligne pleurale. Derrière, ce sont des artefacts. Maintenant, je peux aussi voir des images anatomiques en cas de pathologie. Donc, les condensations, les épanchements liquidiens, on y vient. Là, ce ne sont plus des artefacts, ce sont des images anatomiques. Mais je ne les vois que si ça vient toucher ma plèvre. S'il y a de l'air qui s'interpose entre cette plèvre et cette image pathologique, mais s'il y a de l'air entre les deux, je ne verrai rien, je ne la verrai pas. Elle ne sera pas accessible à mes échos parce qu'il y a une couche d'air qui s'est interposée. Donc, mes ultrasons vont être réfléchis, absorbés, je ne verrai pas. Donc, ce que je vois ne peut être que périphérique. La corrélation, la linéarité, elle existe en cas d'augmentation de la pression hydrostatique. Cette augmentation ne peut venir que du cœur, donc d'une origine cardiogénique. Là, il y a une linéarité. La POG augmente, l'importance de mon œdème augmente de façon linéaire quantitative, ce qui n'est pas du tout le cas du SDR. Est-ce que j'ai donné des informations intelligibles? Je pense que le message est clair. De toute façon, on ne pourra rien voir si l'image n'arrive pas à la périphérie. Donc, Donc, ça si j'ai une image normale à l'échographie, tout ce que je peux dire, tout ce que je peux dire, si mon écho est normal, c'est que dans la zone d'exploration, je n'ai aucune image pathologique qui arrive jusqu'à la plèvre. D'accord? très bien. Je pense que c'est clair. Donc, Ahiam, avant d'avancer au syndrome alvéolaire, une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une plus-value à la réalisation de l'échographie pleuro-pulmonaire dans différentes positions, en latéral, dorsal, voire en ventral? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors la position, bien sûr, elle dépend de la pathologie. Comme on l'a vu pour le pneumothorax, l'air va dans les zones les moins dépendantes. Donc j'ai tout intérêt, si c'est possible, à installer mon patient de sorte que je mette ma bulle d'air en haut. Donc là, je vais explorer les régions antérieures. Le syndrome interstitiel,
Je dois pouvoir regarder s'il y a un caractère déclive, un caractère dépendant. Alors, le changement de position du patient, là où il va vraiment être super rentable, c'est dans l'épanchement pleural. C'est parce que là où mon épanchement, là où je ne vais pas pouvoir le louper, en fait, c'est au niveau de l'angle costo-diaphragmatique. Donc, si je peux justement asseoir mon patient ou le mettre un petit peu, des fois même, un peu sur le côté et vraiment obtenir la meilleure visibilité de cette région, oui, effectivement, il y a un caractère positionnel. Et le caractère positionnel dépend de la pathologie recherchée. Donc, il faut toujours, voilà, la machine, c'est la technique, le cerveau, c'est nous. Il faut toujours travailler de pair avec la machine, mais c'est nous qui dirigeons les opérations. Ce n'est pas la machine qui va nous donner les réponses. Il faut savoir ce qu'on cherche pour le trouver. Sinon, on va trouver plein de choses, on ne saura pas quoi en faire. Donc oui, le caractère positionnel à tous mes diagnostics, mais quand j'ai bien formulé ma question, qu'est-ce que je cherche? Parce que pour chaque diagnostic que je cherche, il y a une position. Pour chaque type de patient, il y a une position. Le patient qui arrive sur ses deux jambes aux urgences, ce n'est pas le patient de réa qui est allongé depuis 3 semaines. Donc, voilà, chez quel malade, qu'est-ce que je cherche? Et toujours être systématique. Voilà, là, je suis dans. Là, j'élimine mon pneumothorax. Je regarde les régions non dépendantes. Là, je passe à l'augmentation de densité. Donc là, je passe aux zones dépendantes. Et il y a un continuum très clair entre le syndrome interstitiel, léger, modéré, sévère, syndrome alvéolaire. Et puis, à l'extrême, ça commence à fuiter même dans l'espace interpleural. Ça, c'est un même continuum physiopathologique. Donc le caractère postural, bien sûr, intervient à toutes les étapes du diagnostic. Très bien, c'est très clair. Donc, tu vas pouvoir avancer au syndrome alvéolaire? Allons-y, allons-y, Alors. allons-y. Alors, pratique, j'ai une petite question. Voilà, c'était bon, c'était cette question. Voilà, allons-y. Syndrome alvéolaire, donc. Donc le syndrome alvéolaire, comme je viens de vous le dire, ça n'est qu'un stade de gravité plus important après mon syndrome interstitiel. D'accord? Donc on est toujours là de la gauche vers la droite dans l'augmentation de la densité du poumon, ou autrement dit, c'est l'inverse. La diminution de mon ratio air liquide, vous trouverez l'un ou l'autre dans la littérature, ça veut dire la même chose. De la gauche vers la droite, j'ai de moins en moins d'air dans mon poumon, j'ai de plus en plus de liquide. D'accord? Bon, ce liquide, ça peut être ça peut être de l'eau, ça peut être du transsudat, de l'exsudat ici. Ici, ça peut être du pus, ça peut être du sang, ça peut être. Voilà. En tout cas, la structure liquidienne, la composition, pardon, liquidienne va augmenter de la gauche vers la droite et la composition aérique, elle, va diminuer. D'accord? À tel point que, à partir de justement du syndrome alvéolaire, commence à apparaître, la structure échographique, l'échostructure, commence à ressembler à celle d'un tissu, tellement on perd de l'air, on sort de la spécificité de l'organe pulmonaire d'être de contenir une écrasante majorité d'air, et ça commence à ressembler à d'autres organes. Donc, le syndrome alvéolaire, c'est le syndrome où on sort de l'interprétation des artefacts qui sont générés par les différences d'impédance acoustique, air et liquide, et on passe
a une majorité de constitution liquidienne. Et donc, ça commence à devenir, on commence à voir à apparaître des images anatomiques, des images vraies, entre guillemets. On n'est plus dans l'interprétation d'artefacts. Donc, le syndrome alvéolaire. Ça donne. Alors, ça doit être des gribouillis des gribouillis de professeur Mouhaoui. Alors, le syndrome alvéolaire va pouvoir donner à. Rien, C'est je ça? pense que... Non, c'était pas moi. En C'est fait, toi? non, c'est pas moi. Donc, on va demander juste aux gens de... En fait, les gens, ils essaient de screener et du coup, ils... Ah, d'accord, ils ont accès au. Ils ont accès à la. Parce que là, tu es en mode partage. Tout à l'heure, je vais enlever cette option pour que les gens ne puissent pas toucher l'écran. Alors, on demandera aux gens qui nous regardent de laisser tranquille l'écran et laisser Alors, tranquille. Vas-y, c'est à toi. annotate là, je peux enlever les annotations peut-être. La blèche, on va se lancer dans. Allez, et tu Je continues, mais on clear. demande aux gens de ne plus toucher l'écran de partage. Allez, clear all drawings. Voilà. Voilà. Alors, bon, le syndrome alvéolaire. Donc, le syndrome alvéolaire, c'est l'apparition d'images qui ont une écostructure qui commence à ressembler à celle d'autres organes non aérés, tout simplement. Je vous montre ici un exemple parmi les nombreux qu'on peut. Alors, attendez, attendez, qu'est-ce qu'on a fait là? Attendez, il faut que je sorte d'ici. Voilà, pardon. Voilà. Syndrome alvéolaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est un examen qui est fait avec une sonde convexe, d'accord? Ici, c'est la tête du patient, ici, les pieds. Nous avons le diaphragme qui partage l'écran en cavité abdominale à droite et cavité thoracique à gauche. Donc, ici, c'est le foie. D'accord? Ici, c'est notre diaphragme. Et au-dessus de notre diaphragme, eh bien, nous voyons cet aspect hyper-échogène qui est bien plus profond donc, que notre ligne pleurale, hein, qui prend une bonne partie de notre cavité thoracique. D'accord? Eh bien, il s'agit de structures qui commencent à, dont la constitution commence à devenir tissulaire au niveau de notre poumon. Donc c'est ça, le syndrome alvéolaire. Alors la sonde, ça va dépendre de la taille de la taille des consolidations. Les consolidations, ce sont les parties de parenchyme qui se sont soit complètement remplies de liquide, soit complètement vidées d'air, soit les deux. Alors, moi, j'ai tendance à commencer par la sonde abdominale dans tous les cas parce elle me donne une idée déjà sur la taille de la consolidation. Après, la sonde linéaire permet d'affiner la description des petites consolidations sous-pleurales. D'accord? Là aussi, évidemment, il y a un caractère déclive à la consolidation, mais là, on parle du patient plutôt de réanimation. Maintenant, le patient qui vient aux urgences avec un point d'appel douloureux, etc., peut ne pas avoir un caractère déclive hein, s'il vient avec un foyer de pneumonie ou avec une zone d'infarctus pulmonaire ou d'hématome ou quoi. Donc ça va être les différents diagnostics que nous allons évoquer. Syndrome alvéolaire, donc perte d'aération avancée, c'est un processus qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va aller vers des images où on va avoir de plus en plus de structures tissulaires. Je vais vous montrer quelques vidéos, ça va être plus parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ce sont toujours des images qui arrivent jusqu'en dessous de la plèvre. Alors, elles peuvent arriver en dessous de la plèvre et s'étendre. Même jusqu'à la plèvre médiastinale, hein. Ou alors ça peut être des toutes petites condensations, parfois millimétriques, qui touchent la plèvre. Mais il y a toujours un bord qui est sous-pleural, sinon on ne le verrait pas à l'échographie.
Ça commence par des bordures qui sont un peu déchiquetées, un aspect fractal, disent certains, les Anglais parlent de Schredsheim aux bordures, jusqu'à un aspect complètement tissulaire de tout un poumon, de tout un lobe, voire de tout un poumon. Hein. Et là, on parle d'hépatisation, c'est-à-dire que ça devient presque difficile de différencier le poumon du foie, si ce n'était l'orientation de notre sonde, évidemment. Alors, à un stade débutant, voici ce qu'on appelle le Schredsheim de la condensation. C'est une condensation qui débute en souspleural, enfin qui débute, qui est déjà quand même un peu avancée là. Elle est à une profondeur d'au moins 5 cm. Et vous voyez, à partir de ces bordures, on a de l'hyper-échogénicité, des artefacts de réverbération qui partent, là encore, des artefacts verticaux, bon, qu'on n'appelle pas ligne B parce qu'ils ne naissent pas de la ligne pleurale. Donc, on parle simplement d'artefacts hyper-échogènes, verticales, qui partent des bordures et cet aspect irrégulier des bords. D'accord? Donc, ça, c'est une condensation sous-pleurale qui commence et qui avance. À un stade plus avancé, elle va prendre tout un lobe, voire elle va prendre tout un poumon. Alors attention, un petit piège ici, c'est que la sonde n'est pas orientée dans le sens habituel. Le poumon est là, le diaphragme est ici et c'est le foie qui est à gauche. Donc là, vous voyez, c'est un poumon. On pourrait le prendre. Si on passe un peu rapidement, on pourrait le prendre pour un foie, hein. En fait, tout ça est un poumon qui est condensé. Donc, on parle d'hépatisation, tissue-like, d'après les Anglais. Et là, vous voyez, je vais revenir à mon spine sign, là, au signe de la colonne vertébrale. On est derrière le poumon. Mais comme ce poumon-là est complètement hépatisé et il a perdu son contenu aérique, eh bien, il conduit les ultrasons. Et comme il conduit les ultrasons, eh bien, ceux-ci arrivent jusqu'aux corps vertébraux. Et donc, je vois la colonne vertébrale au-dessus du diaphragme. Bon, je vous rappelle que là, l'image est inversée, hein. Le diaphragme est ici, le foie est là. Et ici, c'est la partie thoracique. Autre signe associé dans ces condensations, ce sont les bronchogrammes. Les bronchogrammes, ce sont les voies aériennes bronchiques et bronchiolaires qui sont dessinées, enfin, échographiquement dessinées, dans le syndrome alvéolaire. Alors, je vais vous montrer des bronchogrammes aériques et des bronchogrammes liquidiens. Sachant que les bronchogrammes aériques sont plus fréquents, de l'air reste trappé dans les voies bronchiques et bronchiolaires et se traduit à l'échographie par un aspect hyperéchogène. Hein. Donc voilà, là on voit de l'air qui est piégé dans les voies aériques et qui bouge avec les mouvements respiratoires. Bon, la boucle vidéo n'est pas très longue, mais ce sont ce qu'on appelle des bronchogrammes dynamiques, c'est-à-dire qu'ils bougent avec les mouvements respiratoires. Donc ça, c'est tout le poumon. Là, il y a un tout petit peu de d'épanchement liquidien, d'accord? Donc ici, on a la colonne vertébrale qu'on voit derrière. C'est quoi l'intérêt de savoir si cet air bouge? C'est surtout en réanimation chez un malade qui va être intubé ventilé. Ce sont des zones qui sont accessibles à des manœuvres de recrutement. Voilà, ça, ce sont des petites informations utiles. Tandis que là, vous voyez, nous avons des bronchogrammes aériques qui sont statiques. Ça ne bouge pas. Voilà, la boucle n'est pas très longue, hein, mais croyez-moi sur parole. Ici, on a voilà cet aspect hyper-échogène qui n'est pas mobile avec les mouvements respiratoires. Donc là, c'est de l'air qui est piégé, mais sans communication avec les voies aériennes supérieures. Il peut y avoir un intérêt à réaliser une fibro-aspiration dans ces cas-là, hein, pour rétablir la perméabilité. Alors, on voit plein d'autres choses, hein. Là, quand on commence à voir des images anatomiques, bon, on est dans la pathologie et puis en même temps, on est dans la satisfaction de reconnaître des structures
qu'on peut définir. Donc là, on a le diaphragme, d'accord? Ici, on a l'espace pleural. Donc la plèvre pariétale étant ici, la plèvre pulmonaire est là. On voit qu'il y a un épanchement et puis qu'il y a même voilà, de la fibrine dans cet espace. Donc probablement quelque chose d'exsudatif ou d'hémorragique. Bon, je ne me lancerai pas dans des affirmations. Donc ça, c'est pour le bronchogramme aérique statique. Il faut savoir qu'on peut avoir aussi des bronchogrammes liquidiens. Voilà, donc là c'est juste une image, une photo qui montre que lorsque c'est du liquide qui est trappé dans les voies aériques, il apparaît comme étant hypoéchogène. Le syndrome alvéolaire, c'est un tableau là encore peu spécifique puisqu'on peut le voir dans tous les diagnostics où on a une augmentation de la densité du poumon et ou une perte d'aération, la pneumonie, l'infarctus pulmonaire, la télectasie, la contusion pulmonaire dans le contexte du trauma, le cancer, enfin voilà. Il faut pour ça s'attacher à recueillir un maximum d'informations sur les caractéristiques de cette condensation, mais pas que de cette condensation en fait, de tout ce qui se passe autour de cette condensation, sa forme, ses bordures, comment c'est distribué, est-ce que c'est vascularisé, est-ce que c'est pas vascularisé, est-ce qu'on a des bronchogrammes aériques, liquidiens, pour affiner notre diagnostic. Le diagnostic différentiel, alors, vraiment, ce qu'on peut retenir pour ne pas rentrer dans des choses un peu complexes à ce stade, c'est qu'on peut en fait passer à côté d'une condensation si on explore de façon un peu rapide et incomplète le thorax. Et évidemment, on ne voit pas les condensations qui n'arrivent pas jusqu'à la ligne pleurale. Alors, ici, je vais vous parler rapidement hein, de l'un des nombreux protocoles qui ont été établis à partir de cette sémiologie, de la sémiologie qu'on a vue jusque-là, d'accord, ligne A, ligne B, condensation, sans rentrer dans ces détails, mais simplement pour que vous sachiez que ça existe, parce que dès qu'on parle de d'échographie pulmonaire, on tombe assez rapidement dans nos lectures sur les travaux de Daniel Lichtenstein et notamment du Blue Protocol qu'il a établi pour diagnostiquer, en fait pour une orientation diagnostique assez intéressante du tableau de dyspnée qui arrive aux urgences. D'accord? Alors, c'est un protocole qui effectivement permet de recouvrir, alors d'après ce travail-là, pratiquement 90% des gros diagnostics de détresse respiratoire. Il faut savoir qu'il l'associe à une échographie veineuse profonde. D'accord, qui regarde les veines fémorales, les veines poplitées. Il faut savoir aussi qu'il a fait plusieurs autres protocoles par la suite où il associe à l'échographie pulmonaire l'échographie des veines des membres inférieurs et l'échographie cardiaque. Donc, en fait, à partir de cette sémiologie échographique, on va pouvoir l'intégrer dans un examen échographique multisite. Tout à fait intéressant et c'est probablement l'avenir du triage aux urgences et en réanimation. On pourra rentrer dans le détail de ce protocole et des autres dans une prochaine présentation. Alors, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à nos patients de réa et par rapport à notre SDRA, je voulais vraiment insister sur le continuum. Le continuum que représente cette maladie. Le SDRA, c'est vraiment une maladie qui recouvre
toute cette partie de modification de densité de notre poumon. Et c'est une maladie pour laquelle il est vraiment, vraiment, vraiment très, très rentable en réanimation de faire un suivi, un recueil de données et un suivi pour monitorer le recrutement de nos malades. D'accord? Et la réponse aux différentes thérapeutiques qu'on peut faire, que ça soit, bon, bien sûr, l'antibiothérapie, que ça soit les manœuvres de recrutement mécanique, et puis surtout le monitorage du décubitus ventral pour nos malades. Et il est vraiment très, très intéressant de pouvoir dire, dès qu'on a mis un patient en SDRA, par exemple, en décubitus ventral, de le voir passer d'un aspect de condensation, donc un aspect C, à un aspect de syndrome interstitiel, qui est quand même un degré de gravité moindre que le syndrome alvéolaire. On peut voir des zones de syndrome interstitiel passer à un aspect de ligne A. Donc on peut vraiment dire en temps réel si notre patient répond aux thérapeutiques qu'on lui propose. D'accord? Que ce soit donc manœuvre de recrutement, que ce soit retournement en DV, etc. Donc un caractère pas seulement de description ponctuelle, mais vraiment un intérêt dans le monitorage des malades de réanimation, j'insiste là-dessus. Donc, ça n'est pas qu'un outil de diagnostic, ça n'est pas qu'un outil de triage. L'échographie pulmonaire peut vraiment être utilisée si on recueille les données, si on les note à la fois sur l'appareil d'écho, à la fois sur des fiches de monitorage. Ça peut vraiment être un outil de transmission d'informations, de données patients et de suivi de ceci. Des questions avant de passer à l'épanchement pleural ou vous souhaitez que j'enchaîne? Ahlan, je pense que tu peux enchaîner D'accord. concernant les questions à la fin. Allez. Alors, reprenons. Donc, reste à voir l'épanchement pleural. Donc là, c'est voilà, là, il y a de l'eau, hein, il y a pas de, on est bien loin des artefacts, on est bien loin de tout ça. C'est 100% d'eau sous notre plèvre pariétale, d'accord? Donc, c'est une image parfaitement anatomique, très facile à reconnaître. Donc là, la sonde linéaire n'a pas vraiment d'intérêt, hein, lorsqu'on cherche un épanchement pleural. Il faut regarder directement à la sonde convexe, donc que ce soit la sonde abdominale ou la sonde cardiaque. Il y a un caractère évidemment d'équilibre dans la grande majorité des cas. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais il y a des épanchements loculés, etc. Bon, c'est très rare chez le patient qui arrive sur ses deux jambes en réanimation, aux urgences, pardon. Après, effectivement, on peut voir ça dans certains cas de patients de réa, mais la plupart du temps, c'est un caractère d'équilibre. Donc, vous allez le trouver dans les zones postérieures, chez le patient allongé ou demi-assis. L'orientation la plus judicieuse à donner à notre sonde, c'est une fois au niveau allez, entre le huitième, le dixième espace intercostal, au niveau de la ligne axillaire. C'est à ce niveau-là, viser la colonne vertébrale. Et au niveau de cet angle-là, même un épanchement minime, en général, sera vu. D'accord? Donc, viser l'angle costophrénique postérieur pour visualiser même un épanchement de faible abondance. Okay? Alors, pour donner quand même une définition très, très, très rigoureuse de l'épanchement pleural,
Ça n'est pas comme vous verrez souvent l'espace vide déco entre les deux feuillets pleureaux, etc. Parce que d'abord, cet espace n'est pas forcément vide déco, d'accord? Vide déco, ça veut dire, voilà, hypoécogène, la partie noire, là. Ça, c'est ce qu'on voit dans le transsuda classique par augmentation de la pression hydrostatique, etc. Mais dans les exsudats, dans les hémorragies, dans les... et d'autant que le patient est en réanimation depuis un moment, etc. Cet espace n'est pas forcément vide déco. Il peut y avoir des dépôts, bah, comme je vous le montre ici, de fibrine, etc., de tout un tas de d'autres choses. Ce qu'il faut pour bien se repérer, c'est voir la ligne pleurale, qui est en fait la ligne cette fois-ci de la plèvre, dessinée par la plèvre pariétale, et la ligne, pardon, il y a une erreur ici, la ligne, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la ligne screen sharing, alors excusez-moi, je retourne là-dessus, c'est la ligne pleurale et la ligne pulmonaire, d'accord? La ligne pulmonaire, ici, pour ne pas vous embrouiller, je vais le corriger tout de suite, voilà. La ligne pulmonaire, elle, c'est l'hyperéchogénicité de la plèvre viscérale. Et une fois qu'on a repéré ces deux lignes-là, voilà, là, on peut aussi s'aider d'un tiers-TM qui va donner un aspect assez caractéristique, comme je vais vous le montrer après. Simplement ici, pour vous rappeler les deux signes évoqués dans l'aspect pulmonaire normal des régions postérieures. Ici, évidemment, il n'y a plus de signe du rideau, puisque le poumon ici, qui est bon, tout atélectasié en plus du fait de l'épanchement, ne contient plus tellement d'air. D'accord? Donc on le voit et il n'efface pas les structures sous-diaphragmatiques au mouvement respiratoire. Et puis on voit l'aspect hyperéchogène du bord antérieur des corps vertébraux, d'accord? Avec le cône d'ombre postérieur. Donc on les voit aussi bien au-dessus du diaphragme qu'en dessous du diaphragme. D'accord? Donc ça c'est le diaphragme, ici c'est le foie, ici c'est le poumon, tout voilà, tout ratatiné, et ici c'est l'épanchement pleural. Alors si on fait un tiers-TM à ce niveau-là, d'accord? Qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir ici la ligne, vous voyez la ligne hyperéchogène ici, c'est la ligne de la plèvre pariétale, la ligne pleurale. L'autre ligne, la deuxième ligne hyperéchogène qu'on voit en dessous, c'est la ligne pulmonaire. En fait, elle correspond à la plèvre viscérale. Et c'est ce qu'on appelle le signe de la sinusoïde. On voit les mouvements respiratoires de ce poumon qui est tout colabé en dessous. Donc c'est ça en fait l'aspect qui caractérise vraiment un épanchement. D'accord? Un épanchement pleural, c'est de pouvoir identifier les deux lignes, les deux feuillets de la plèvre. D'accord? L'aspect plus ou moins hypoéchogène entre les deux et un mouvement sinusoïdal du parenchyme pulmonaire synchrone des mouvements respiratoires. Alors, à un moment donné, on s'est beaucoup intéressé à quantifier ce liquide, combien est-ce qu'il y a de liquide, si je mets le patient en position demi-assis, ça monte jusqu'où, jusqu'à l'épine de l'omoplate, jusque-ci, jusque-ça. En fait, on s'est rendu compte que ça n'était pas tellement le volume qui était pertinent en cas de d'épanchement pleural, mais plutôt sa tolérance clinique. Et d'ailleurs, les indications de drainage aujourd'hui sont basées sur comment mon patient tolère cliniquement cet épanchement, même s'il n'est pas monstrueux, plutôt que quel est son volume dans l'absolu. Alors l'aspect entre le transsuda et l'exsuda présente de nombreux chevauchements. Donc en fait, la thoracosynthèse a aussi l'avantage de pouvoir permettre d'identifier la nature. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il n'est pratiquement plus permis
de drainer un épanchement pleural sans assistance, au moins guidage et échographique. On peut donc soit se repérer avec la sonde d'échographie et marquer un petit point de repère, marquer surtout la distance qui sépare ma peau de la plèvre pariétale, de la plèvre viscérale, repérer les organes dans lesquels je n'ai pas envie d'aller mettre mon aiguille, faire tout ce repérage-là et garder en tête les distances et faire ma ponction, ou je peux aussi accompagner ma ponction et ma thoracosynthèse d'échographie. Alors là, une petite vidéo et en même temps une dédicace à mon ami professeur Alik Tsani et à sa fameuse technique de la thoracosynthèse avec un dilatateur de cathé de voie centrale branché à l'aspiration, qui est en fait extrêmement satisfaisant pour une aspiration en temps réel, d'accord, et avec visualisation directe de mon geste. Donc vraiment, regardez ce que vous faites à l'écho. Ce sont les mêmes bénéfices, les mêmes arguments que pour les ponctions vasculaires sous échographie. On peut vraiment plus se permettre de faire ça à l'aveugle, alors qu'on peut voir ce qu'on fait et éviter très lourde iatrogène. Voilà, les diagnostics différentiels, donc quelques faux négatifs, ne pas aller regarder les zones les plus dépendantes et donc ne pas avoir un épanchement minime, ne pas pouvoir mettre mon patient par exemple en position demi-assise, avoir un hématome organisé dans la cavité pleurale et le confondre avec une consolidation. Les faux positifs, c'est par exemple prendre du liquide péritonéal pour un épanchement pleural, simplement parce qu'on s'est mal orienté avec notre sonde d'échographie. Alors voilà, un dernier récapitulatif donc finalement des grands syndromes et des grands tableaux de pathologies pulmonaires que nous voyons aux urgences, que nous voyons aussi en réanimation. On peut pratiquement tous les mettre sur cette frise. Et sachant que pour beaucoup d'entre eux, il y a un continuum entre le syndrome interstitiel, alvéolaire et l'épanchement liquidien. Ici, on va vers l'aggravation. Et puis sur le versant hyper aéré, il y a le pneumothorax, sachant que les exacerbations de BPCO et d'embolie pulmonaire entrent dans le cadre d'un aspect de poumon normal. Merci encore une fois de votre attention et j'espère vous avoir donné envie de vous exercer. Encore une fois, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. S'exercer au lit du malade, sortir ses appareils d'écho, regarder, refaire, recueillir les données, c'est vite gratifiant. C'est vite gratifiant, la courbe d'apprentissage est assez courte et on a rapidement des résultats satisfaisants. Et une application clinique concrète au lit du malade. Très bien. Donc, je pense qu'on va laisser la porte aux questions. S'il y a des questions que vous pouvez poser aussi bien sur Zoom que sur YouTube. Oui, docteur Najim, j'ai deux petites questions. Allez. L'exposé était très bien. Ahlam était à la hauteur. Bravo. Et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je suis chirurgien, mais j'utilise l'échographe, bien sûr, dans mon cabinet. Et j'ai deux questions. La première, c'est combien ça dure une exploration pulmonaire échographique? Je pense que ça prend du temps. Et deuxièmement, est-ce qu'on fait espace par espace ou bien compartiment par compartiment? Et troisièmement, comment on fait la différence entre un épanchement souphrénique et un épanchement pleural? Alors,
Oui. Bonsoir, docteur Najim. Merci pour, Merci, bonsoir. Merci. merci pour le retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, plusieurs choses. Ça dépend du contexte. Aux urgences, par exemple, le protocole, le Blue Protocol là, développé par Liechtenstein, si je ne compte pas l'échographie veineuse profonde, lui, il parle d'un examen par un opérateur exercé, un opérateur qui fait de l'écho pulmonaire, qui sait faire de l'écho Oui. pulmonaire, pour faire le triage en urgence. Juste pour Oui. dire, je regarde mon aspect normal. Est-ce que j'ai un aspect A? Est-ce que j'ai un aspect qu'il appelle A', c'est-à-dire des lignes A mais sans glissement de la ligne pleurale? Est-ce que j'ai des lignes B? Un peu beaucoup. Est-ce que derrière, j'ai de la condensation ou de l'épanchement liquidien? Lui, il fait ça en 5 minutes. Ça, c'est contexte, urgence, triage, taf, taf, taf. D'accord. Maintenant, autre contexte, je suis en réanimation, j'ai mon tableau de recueil de données, je veux le remplir, je veux regarder ce qui se passe, espace par espace, je prends mon temps. Ça dépend où je me trouve de la courbe d'apprentissage, mais on va dire que voilà, je commence à faire un peu d'échographie. Sincèrement, je pense qu'on ne va pas dépasser les 15-20 minutes, hein. Vraiment, espace par espace. Je vous parle de, je regarde 6 cadrans de chaque côté, je change de sonde, je regarde ma ligne pleurale, comment elle est, je décris, j'enregistre mes images, je tape le cadran, je... D'accord. Allez, 20 minutes, 20 D'accord. minutes. Après, ça va de plus en plus vite. Et Oui, après, ça dépend de ce que je très dois faire. Est-ce que je vais écrire une petite observation pour la mettre dans mon dossier de malade? Ou est-ce que je suis aux urgences, j'arrive, j'ai un patient qui est bleu? Et je veux savoir ce que c'est. Est-ce que je ponctionne un pneumothorax? Est-ce que je lui mets un coup de diurétique? Est-ce que, vous voyez, est-ce que je l'envoie à la thrombolyse? Là, c'est quelques minutes. Donc ça, Merci. c'était pour la question. Oui. Alors, l'autre question, c'était les espaces. Alors, effectivement, quand on prend un cadran, même si on prend cette délimitation des 6 cadrans, moi, j'ai tendance à me mettre dans l'espace déjà où je vois le mieux. Je glisse un petit peu dans l'espace, je monte, je descends. L'idée, c'est de recueillir la moins bonne image du cadran. C'est-à-dire que si j'ai du syndrome interstitiel et du syndrome alvéolaire, je vais marquer syndrome alvéolaire, parce que c'est un stade de gravité plus avancé. Si j'ai syndrome alvéolaire et épanchement, je vais insister sur l'épanchement. Voilà, donc il y avait cette question. Et puis, alors, de part et d'autre, donc comment faire la différence? En fait, c'est l'orientation par rapport au diaphragme. Donc, je regarde ma sonde, là où j'ai le petit curseur, je la mets du même côté que le petit point là qui est sur mon écran. Il faut que sur ma sonde et sur mon écran, ça soit la même chose, parce qu'on n'est pas en train de faire de l'écho-cœur, on s'est inversé. Et classiquement, on s'oriente de sorte à ce que la petite encoche sur la sonde, où des fois il y a une petite lumière qui s'allume, elle soit orientée de sorte que la gauche, ça soit la tête du malade, et la droite, ça soit les pieds du malade. Donc l'épanchement péritonéal se mettrait à ce niveau-là, Bon. en bas du diaphragme, et le pleural en haut. Est-ce que vous faites au niveau susclaviculaire et le creux susternaire, est-ce que vous l'explorez? Parce que Alors, moi, j'ai fait l'échographie, j'explore le thorax comme ça, au pif, et j'ai trouvé pas mal de tumeurs qui ont un contact pariétal, et on a recommencé, c'est des gens qui viennent pour des douleurs comme ça. Bizarre. Merci. ouais. L'échographie a beaucoup aidé au diagnostic des douleurs pariétales. Alors, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tellement en réanimation, mais on le voit effectivement aux urgences, D'accord, en chirurgie, en urgentologie, etc. Beaucoup de douleurs pariétales se sont avérées être des tumeurs, se sont avérées des fois être des petits infarctus aussi. Et effectivement, c'est rentable. Là où on se fait piéger,
Par la clavicule, justement. C'est dans les petits pneumothorax. Quand le patient n'arrive pas à justement s'allonger complètement à plat et qu'il reste un peu demi-assis, bah, si c'est un petit pneumothorax, on va avoir justement la bulle d'air qui va aller se loger derrière la clavicule et échapper à notre examen. Donc là, justement, on se fait avoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, d'autres questions? Merci, Sinajim, pour le suivi Merci d'abord. Vraiment, ça fait plaisir d'avoir plusieurs spécialités, plusieurs cieux, différents cieux, et c'est tant mieux. Ahlam, on attend une question. Comment encourager les jeunes à utiliser cet outil? Comment démystifier? Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est les vieux qu'il faut encourager. Parce qu'en fait, les jeunes sont hyper emballés. Hyper emballés par l'échographe. C'est générationnel, je pense. Ils ont une facilité incroyable à vouloir apprendre à faire de l'échographie vraiment avancée. Et l'échopulmonaire, en plus, s'y prête bien. Parce qu'une fois qu'ils ont intégré le continuum physiopathologique, les différents grands syndromes, bah, ça ne leur fait pas du tout peur. Ils n'ont pas du tout peur des écrans, ils n'ont pas du tout peur des images. Moi, franchement, ils m'ont impressionné. Les quelques résidents internes avec qui j'ai échangé là-dessus, à qui j'ai montré deux, trois trucs, le lendemain, ils étaient là avec leur tableau, leur fiche de recueil, à faire des petits dessins en plus. Donc, ils ont vraiment cette culture de l'iconographie. Moi, j'étais en train d'écrire mes textes, mon descriptif, tout ça, presque une observation médicale. Et eux, bah, ils font des symboles, des dessins, je trouve qu'ils se sont mis, ils sont vraiment dans la culture de l'imagerie. Il suffit qu'ils commencent pour qu'ils intègrent ça à leurs habitudes et ça devient le prolongement de leur examen clinique. Juste commencer, vous allez adorer et vous allez nous dépasser dans un avenir très proche. Alors, dans certains services, bon, j'échange avec certains résidents, ils me disent, ils ne laissent pas trop l'échographe entre les mains, il faut que les seniors soient là. Donc, l'accès à l'appareil est parfois compliqué. Oui. Alors, après, bon, on est dans un contexte aussi de Covid. Alors, c'est vrai que ça vient peut-être rendre la chose. Alors, autant l'échographie pulmonaire est très intéressante pour le Covid, autant ça rend encore plus critique les mesures de désinfection de l'appareil. Pour ne pas faire de la transmission que ça soit intermalade ou malade, soignant, etc. Donc peut-être que là, effectivement, il faut leur dire d'être prudent, de bien nettoyer leur appareil, de vérifier qu'il y a bien un protocole de désinfection dans le service, etc., etc. Mais c'est l'occasion justement d'implémenter ces protocoles qui ne sont pas toujours très bien, très clairs ou bien respectés. J'ai une question, si Mohamed. Oui, c'est Moi, je ne me fais pas payer l'échographie, je la fais systématiquement pour tous les malades, même au niveau des artères et tout. Je cherche, l'essentiel pour moi, c'est le diagnostic. Mais une question, est-ce que ça existe dans la nomenclature? Est-ce qu'il est reconnu par Alors, la... anesthésie réanimation, aux dernières nouvelles, justement, c'était le cheval de bataille de nombreux collègues que de faire rentrer l'examen échographique dans les actes et déjà l'échographie cardiaque lorsqu'elle est faite par un anesthésiste réanimateur et suivront, j'espère, les autres examens que sont l'échographie pulmonaire. abdominal et tout. En cours. C'est une cause qui est en cours Traitement. de discussion. Voilà, je ne veux pas utiliser le terme de bataille parce que ça ne Oui, doit pas l'être. Ça ne doit pas l'être. Mais effectivement, on le fait parce que ça affine notre diagnostic, parce que ça rend service aux malades, parce que ça nous fait faire de la meilleure prise en charge, de la meilleure réanimation. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas payé pour ça.
Merci. Ahlan, tu sais très bien que les radiologues ne sont pas trop emballés par l'échographie pulmonaire. Pour eux, les poumons, c'est le scanner. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Alors, j'ai envie de leur dire. Alors, j'ai envie déjà de leur dire ce qu'on disait aux cardiologues. Hein. On ne cherche pas forcément toujours les mêmes informations. Et ce que je veux dire dans ce contexte aussi, c'est que le Covid est venu apporter des informations assez intéressantes justement sur la correspondance entre les images scanographiques et les images échographiques. Parce que justement, l'atteinte respiratoire du Covid est une atteinte qui est très périphérique. Il a été permis de bien explorer, de bien caractériser cette maladie à l'échographie, d'abord par nécessité, parce que les structures se sont retrouvées submergées de malades, elles n'avaient pas forcément la capacité de suivre en termes d'imagerie avec le scanner. Donc, il y a eu cette pression pour justement faire passer l'échographie comme étant un outil diagnostique, et l'échographie est passée comme un outil diagnostique. Et il y a eu suffisamment de patients pour pouvoir montrer qu'il y a une réelle même concordance. Hein. Je vous ai parlé du syndrome interstitiel qui concorde avec les vers dépolis. Mais bon, là, vous me lancez sur un sujet de présentation que j'ai faite et qui est justement l'apport de l'échographie pulmonaire dans le Covid. Et ça a quelque part un peu coupé l'herbe sous les pieds des radiologues parce que ça a bien démontré que l'échographie donnait des résultats, mais parfaitement superposables au scanner. La seule chose, là je reste sur le Covid, c'est que ce sont des anomalies qui concordent pas toujours forcément avec la clinique. Mais comme le scanner, c'est-à-dire que le patient peut avoir un scanner gravissime, être cliniquement pas si inquiétant que ça, dans un premier temps. Et après, il peut guérir cliniquement et garder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois des images, une imagerie très altérée, mais ça vaut aussi bien pour le scanner que pour l'échographie. Mais alors, il y a une superposition qu'ils ne peuvent plus nous nier. Et le Covid a permis de le démontrer. Alors, S'il vous plaît, la Haute Autorité de la Santé en France déconseille l'échographie pour le COVID. Alors, elle le Elle déconseille. conseille la TDM. Je vais vous dire pourquoi. Non, je vais vous dire pourquoi. Alors, après, ça, c'est aussi des conflits d'intérêts, un certain nombre de choses. Moi, Ah, je vous voilà. parle du contexte où on est submergé de patients, où on n'a pas forcément accès au scanner, où le scanner est limité, hein, le nombre de scanners qu'on peut faire Oui. est limité. La contamination est effectivement réduite. Il faut différencier le scanner pour le diagnostic et le scanner pour le suivi. Le patient de réa, le patient d'ambulatoire. Donc, c'est tout un tas de subtilités. Et l'Haute Autorité de Santé, elle parle d'un contexte bien particulier. Bon, nous, on parle d'une autre. Mais leurs arguments sont, et je reviens là-dessus parce que la Société canadienne aussi vient de publier une étude là-dessus, il ne faut pas que la prise en charge se fasse sur les données Échographique. de échographie. Il faut faire attention à la contamination. Du personnel et la contamination intermalade, parce que les protocoles de désinfection des appareils n'étaient pas forcément au top, n'étaient pas forcément respectés. Et même des structures se sont retrouvées à un moment donné. Il a manqué du matériel, il a manqué des lingettes de désinfection, il a manqué. Donc on est rentré dans la iatrogénie. Attendez, il y avait autre chose. Et oui, et bon, et puis il y avait le niveau de compétence de l'opérateur, effectivement. Dépendant. Au jour d'aujourd'hui, le facteur limitant, c'est le nombre de réanimateurs qui savent faire de l'échographie pulmonaire et qui sont capables de signer un compte rendu. D'accord. Voilà, c'est ça le facteur limitant.
Et bien que la courbe d'apprentissage est courte, bien que son apprentissage est facile, bon, encore faut-il que les gens en fassent, quoi. Donc, à ce stade, au stade d'aujourd'hui, on ne peut pas dire, allez, le diagnostic va être fait à l'échographie par les réanimateurs, simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de réanimateurs pour suivre le débit de patients. Mais une échographie pulmonaire faite par un opérateur entraîné, réanimateur ou autre, va donner des informations tout à fait superposables au scanner interprété par un radiologue. Ahlam, est-ce que tu peux, en fin de ce topo, nous parler de l'excellente société savante WinFocus que dirige mon très cher ami Alik Tani? Est-ce que tu peux nous parler de WinFocus Maroc? Est-ce que ça va? Formidable, formidable société, formidable équipe. Alors là, vous me lancez sur mes amis, sur mes amis adorés. Alors, bah, professeur Alik Tani m'a, c'est lui qui m'a, qui m'a poussé à intégrer cette organisation, cette formation. Donc, il représente WinFocus Maroc avec une équipe, une très très belle équipe d'anesthésistes réanimateurs certifiés et qui sont eux-mêmes aptes à former tous les médecins qui le souhaitent. Bah, l'organisation WinFocus est une organisation qui enseigne l'échographie appliquée au contexte de l'urgence, de la réanimation. De l'anesthésie. Ce que je trouve de très intéressant dans cette organisation, c'est que, alors déjà, elle propose des modules et on peut faire de l'échographie cardiaque, on peut faire de l'échographie pleuropulmonaire, on peut faire se former à la fast echo et dans chaque module plusieurs niveaux, donc le basique, l'avancé, etc. Donc c'est quelque chose qui s'applique bien finalement à notre à nos conditions de travail et d'apprentissage où on prend les choses bout par bout et où finalement on assemble bah, tous les bouts qu'il nous faut pour au final, et c'est ça la vision de cette organisation et la vision finalement de tous les réanimateurs qui se sont mis à l'échographie, au final c'est d'avoir une vision holistique de notre patient. Maintenant, en réanimation, on raisonne en termes d'imagerie. Thoracique, on ne parle plus d'échographie cardiaque ou d'échographie pleuropulmonaire ou la dernière, le dernier petit cousin là, qui est venu s'ajouter, qui est l'échographie diaphragmatique, c'est l'évaluation thoracique globale. Quand on veut évaluer un patient de réanimation qui est sous ventilation mécanique, qu'on veut sevrer par exemple, ou qu'on veut simplement évaluer sur le plan d'une prise en charge ô combien complexe, comme vous le savez. On ne peut plus parler aujourd'hui du cœur isolément, du poumon isolément, mais des interactions cœur-poumon. Quand on veut parler du sevrage aujourd'hui, il est extrêmement pertinent d'aller regarder ce que fait notre muscle diaphragmatique. Si le diaphragme est complètement dysfonctionnel, ce n'est pas la peine de s'acharner à débrancher ce malade. Ça va avoir un impact sur son cœur, ça va avoir. Donc, c'est vraiment une vision globale, à la fois un prolongement de notre évaluation clinique, de des interactions de chaque organe, des organes les uns avec les autres. C'est un prolongement, c'est une quantification, c'est un monitorage et cet organisme a une vision qui s'applique très très bien à ce que nous, réanimateurs et réanimateurs ou intensivistes hein, au sens large, toutes les personnes qui sont amenées à prendre en charge les interactions complexes des malades, c'est une vision qui colle parfaitement avec les informations que nous recherchons. Très bien. Donc, en tout cas, je te remercie beaucoup, Ahlam. Donc, c'est toujours avec le même plaisir que j'assiste à tes topos, tes conférences sur l'échographie pulmonaire. Je remercie en ton nom toutes les personnes qui nous ont assistés, que ce soit la première ou la deuxième partie. Je remercie beaucoup et chaleureusement notre ami commun, on va dire, le professeur Afak Nseri, qui a permis cette rencontre.
scientifique, cette belle rencontre scientifique, afin qu'en l'occurrence, la présidente de l'Amicale des médecins anesthésiste-réanimateurs de Casablanca, elle est ici. Et je te remercie beaucoup, afin Allah Jazak Bel Khair aussi, tu es en grande partie derrière cette belle rencontre scientifique. Et un Merci, dernier merci mot. à toi, Mohamed. Vas-y, 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 Merci. Merci beaucoup, je remercie bien sûr Ahlam, je te remercie beaucoup pour cette organisation et surtout tu insistes toujours à être dans la formation, vraiment et merci au nom de tous les étudiants, les internes, les résidents et bien sûr même les grands médecins qui continuent toujours à se former pour être grands. Merci beaucoup. Merci Ahlam. Merci Afa. Et à vos internes, à vos résidents, n'hésitez pas hein, à me contacter si vous avez besoin des diapos, si vous avez besoin de plus d'infos, de détails. Vous voulez demander à professeur Nseri, vous m'appelez, vous m'écrivez, vous m'envoyez des WhatsApp, je suis disponible et c'est avec un grand, grand, grand plaisir que je continuerai à répondre à vos questions. Je laisserai mes diapos à professeur Nseri, à professeur Mouhaoui et je suis joignable et à votre service. Merci Merci. beaucoup, Ahlam. Merci à vous tous. Alors, Merci. on va se voir dans 2 semaines pour le prochain Megestia Update et ça va être vraiment très, très, très pratique. Ça va s'appeler tout simplement mon COVID au quotidien. Donc, c'est-à-dire que faire devant un malade qui est hospitalisé en réa et aux soins intensifs, c'est-à-dire quel traitement, quel remplissage, quelle anticoagulation, etc. Vous allez voir que ça va être très, très pratique. En tout cas, Ahlam, bravo, merci, bravo, bravo tout le monde et bonne soirée. Bye bye.